Oh my God. Oh my God, regardez la suite, hein, où je vais passer ma nuit. Oh my God, la suite présidentielle. Incroyable. Bébé, il y a une cheminée. T'as vu ça? Voilà, vous avez le dressing. C'est ouf ici, je vous assure. C'est. Oh! C'est vraiment luxe quoi. Je vais faire grave du contenu. Même la douche, elle est magnifique. C'est ouf. Elle est magnifique. Hello les filles, comment allez-vous? Donc aujourd'hui, je suis venue en staycation dans un hôtel pour passer la nuit ici. Je suis venue passer la nuit à l'hôtel. Sans Queens, 100 Queens Gate à Kensington. Donc, la chambre, elle est. La suite, elle est juste magnifique. Franchement, ça fait vraiment très. Vas-y, royal. C'est ça le même le mot. Ça fait vraiment royal. Donc là, vous avez la chambre. Le lit est juste waouh. Avec un téléphone à l'ancienne. Room service, please. Hello? Ah, ça marche même pas le téléphone. C'est juste pour la déco en fait. Regardez. Regardez là. Ce qu'ils ont écrit. Là. Vous avez ben, en fait un salon, quoi. Une salle à manger. Une table à manger. J'ai été accueillie avec des fruits. Je crois que c'est du chocolat, ça, bébé. Ouais, du chocolat belge, du champagne et vous avez un petit bureau même, c'est cool ça. Et genre en fait si vous ouvrez la porte là, ça connecte en fait à deux autres chambres. Attendez, on va regarder le bar. Il est où le bar? Non, là c'est le coffre-fort. Par contre le bar, il n'y a pas grand-chose dedans. Il n'y a pas d'alcool. Il y a des affaires à ranger. Ah oui, il n'y a qu'un seul bar en fait. C'est joli les trucs qu'ils ont mis là. Du coup, là, je vais aller faire quelques courses. J'ai des courses à faire parce que tout à l'heure, je vais aller manger. On va aller manger dans le restaurant. Donc en fait, cet hôtel-là, ils ont deux restaurants et un bar. Un restaurant, ils font juste l'afternoon tea, qui est vraiment très 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 populaire à Londres. Et c'est vraiment très esthétique en fait. Et vous avez un autre restaurant qui vient tout juste d'ouvrir, que je vais aller découvrir en même temps avec vous. Et en bas, vous avez un bar. Donc ce qui est bien, c'est que c'est vraiment pratiquement presque en ville. Et c'est trop trop cool parce qu'en fait, c'est cette suite, si vous voulez, vous pouvez sortir de ce côté-là. Donc la sortie publique. Vous avez tout simplement une sortie privée ici, là. Oh, c'est fermé. Ah non, faut que je mette la carte. Bref. C'est pas incroyable ça? Genre comme si c'était chez vous quoi. Il y a même une. Voilà, et en fait l'entrée principale est là-bas. Franchement, la chambre elle est magnifique. Le lit, c'est le lit qui me fait waouh. Avec la douche. Hein? Non, les fenêtres sont très bien. C'est trop ouvert. La douche. Je sais pas si j'aime pas ça. Non, pas besoin de ça. Il n'y a rien comme ça. C'est sur quoi toi tu penses? Pour les femmes, il y a quelque chose d'intéressant.
Et les petits fruits, on va goûter ça. Les courses, je vais aller chez Zara, je vais aller chez Harrods, j'ai des produits à acheter chez Harrods et j'ai envie de me prendre une robe chez Zara et une paire de chaussures plates. Oh là là, regarde mes... Oh, la crème de chez, comment on appelle ça, Richful Skin de nuit, c'est ça qui m'a fait ça au visage, ça me va pas du tout. Je pensais que c'était pas ça, mais finalement en fait ça me va pas. Donc voilà, et après je vais revenir pour pouvoir manger le soir dîner et ensuite peut-être bah, on va se balader un peu après. On va rester dans la chambre. Voilà, donc tout à l'heure il y a un petit changement. Là on va y aller, là j'ai pris quelques photos vite fait. On va y aller. Je vais voir ce qu'il y a dans le paquet. J'ai fait ça rapidement. Avec mon doigt là qui est handicapé là. Oh. Bon. C'est bon, oui. Tu me fais ? Oui. What champagne do you have? We have. Could I bring a bottle here? It's okay, you can go ahead. Thank you. Thank you. J'ai oublié que t'aimes pas le rosé, toi. C'est pas grave. Mais... Les mousses sont énormes. Tu t'enregistres, toi? Je posais la caméra et je fermais les rideaux après. Comment allez-vous? Donc moi je viens de me réveiller, je crois qu'il doit être 8h. Je me suis réveillée tôt parce qu'il faut que je filme et c'est juste une nuit. Et j'essaie de profiter pas seulement de la chambre mais aussi de profiter du cadre pour pouvoir faire du contenu assez présentable. Donc là mon plan vraiment c'est de là prendre une douche. J'ai déjà appelé le room service, enfin ils vont me rappeler. Je vais prendre une douche, faire ma skincare routine, vous filmez ça. Je dois... filmer aussi la routine du fond de teint Nars, ce nouveau fond de teint. Depuis, je dois le faire, je vais faire ça aujourd'hui.
Et je dois aussi prendre quelques photos dans la chambre, parce que la chambre, elle est vraiment magnifique, avec quelques tenues. Je voulais filmer une vidéo, la vidéo des tenues, comment on appelle ça, les tenues de printemps, mais je sais pas si j'aurai le temps. Voilà. Donc du coup, hier, comme je vous ai dit, je suis allée à Zara et ensuite j'étais chez Harrods, mais malheureusement à Zara, j'ai pas trouvé ce qui me plaisait. Ils ont quelques petites pièces assez sympas, jolies pièces assez sympas. Donc je vais faire avec ce que j'ai là aujourd'hui. Voilà, et j'étais chez Harrods. Même à Harrods, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais. Donc j'étais chez Dior Skin, enfin chez Dior, j'ai racheté le gloss. Le Gloss Maximizer, mais je l'ai pris en 001 et c'est terrible parce que je venais toujours de l'acheter à Paris et en fait je le retrouve plus en fait, donc j'ai pris ça en 001. Si jamais je retrouve le 0012, j'ai pris ce gloss là parce que c'est un must have pour moi. J'ai aussi acheté la lotion essence de chez Dior Capture Total. Voilà, c'est un nouveau produit, donc j'ai pris ça. J'adore les essences, je vais tester ça. J'avais fait livrer ça chez moi, donc c'est les patchs Dior que vous voyez un peu partout actuellement, donc hydratation, lissage avec l'instantané qui sont réutilisables. Attendez, je vais vous montrer après. De toute façon, voilà, j'ai pris ça, j'avais acheté ça, mais on m'a livré à la maison. En fait, j'ai pris un masque, je voulais prendre le masque Dior mais il n'avait pas, donc j'ai pris le masque Instant Détox de chez Caudalie. Donc c'est de l'argile purifiante et il y a de la vitamine C aussi à l'intérieur. Donc j'ai pris ce masque là. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah oui, j'ai pris le gel douche Beredo. Celui-là, moi j'avais Gast. Mais c'est pas ce que je voulais en fait. Je voulais. Il y en a partout. Hein. Je voulais le No Man Rose, un truc comme ça, mais il n'y en avait plus. C'est-à-dire que la plupart des produits qui sont vraiment populaires, souvent, vous ne les retrouvez pas. Voilà, donc là, je vais me préparer, je vais prendre une douche, j'ai filmé, je me promets, j'ai oublié de ramener le trépied pour ma caméra. Donc, normalement, j'avais prévu de filmer, là-bas, c'était de filmer pour YouTube et TikTok. Mais là, je pense que ça sera juste pour TikTok. C'est dommage parce que j'ai ramené tous mes produits de soins. Donc voilà, donc j'ai pas mal de contenu que je vais faire aujourd'hui, produits soins. Et voilà quoi. Voilà mon petit déjeuner de ce matin. J'ai pris des viennoiseries, avocat et des toasts avec des œufs. Et du jus d'orange, du thé. Bon, très simple. Leave me alone. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Je sais pas si c'est bon là, j'ai fini de filmer deux routines et faire quelques photos. Et là, j'aimerais en fait pouvoir me maquiller, mais là, je ne vous voyais pas très bien. C'est parfait. Donc là, j'ai fait tous mes soins. L'essence de chez Dior, elle est vraiment très hydratante. J'aime bien le rendu sur la peau. Ça sent bon. C'est pas agressif. Je kiffe. Donc voilà le petit bijou. Par contre, il n'y a pas de lumière, donc ça va être un peu sombre. Il y a plus de lumière pour... Il y a plus de lumière sur le portable. Mais je sais pas, en fait, ça tremble. Pourquoi? J'ai mis mon gloss. Ok, donc moi, la première chose que je fais, c'est mon primer. J'utilise ça. Donc c'est le Party All Night, Stay All Day. Un maquillage parfait tout au long de la journée jusqu'au bout de la nuit. Le primer que j'utilise, et c'est le fixateur que j'utilise. Ça sent aussi très très bon. J'ai presque fini. Votre fond de teint normalement ne bouge pas. Mais hier, j'ai oublié de le mettre en base. Donc ça fait que mon fond de teint
Oups. Mon fond de teint a un peu... c'était pas bien fixé en fait. Voilà. Voilà, donc j'utilise le Got To Be. Je sais même pas comment ça s'appelle. C'est une brosse pour les sourcils en fait, c'est ce que j'utilise. En attendant que le spray se sète un peu. Voilà, et sur les lèvres, j'ai mis le gloss de chez Dior. Donc, vraiment, vous faire juste la routine de teint rapide. Je vais faire un truc simple, je vais pas mettre de faux cils. C'est un truc vraiment simple. Voilà, parce que j'avais juste envie de vous montrer le rendu, en fait, du fond de teint NARS. Ok? Donc, voilà, à quoi? Donc on va commencer l'application. Je vais utiliser mon pinceau. Il faudrait même que je change de pinceau, honnêtement. Ça vous donne vraiment, vraiment un rendu vraiment très, très naturel, quoi. Ça vous fait un effet glace, quoi. Ils ont dit normalement que c'est un fond de teint medium to coverage. Et je pense, pour moi en tout cas, j'ai l'impression que... j'ai pas l'impression, mais pour moi, franchement, vous pouvez bien bulliser le maquillage pour camoufler les taches, quoi. Ça fait vraiment un effet peau, quoi. Un effet peau comme... J'ai éteint, donc j'ai continué l'application. Ah, hors caméra. Super, super jaune. J'applique avec ma Beauty Blender là. Je vais vous montrer après parce que la luminosité elle est crap. J'aime trop le rendu que ça fait un effet peau, j'adore. Ça c'est mon... J'adore. Chanel. Là, tout juste un peu, on n'exagère pas. Franchement, les filles, je vous conseille vraiment, si vous êtes into, si vous aimez tout ce qui est make-up naturel avec un effet peau, ce fond de teint est fait pour vous. La prochaine fois, je vais essayer de mélanger avec le NARS mat. J'ai vu une de mes influenceuses, on va dire, que j'aime beaucoup, qui mixe les deux. Et je vais voir en fait tout simplement ce que ça fait comme rendu. Mais vraiment, c'est en mode reflection, quoi. C'est vraiment reflection. C'est comme si... ça peut paraître un peu gras, en fait. Donc, je sais pas si une personne qui a une peau grasse serait confortable avec ce genre de... ce genre de fond de teint, en fait. Voilà.
sèche là. Je ne vous ai plus repris depuis. Je suis supposée vous reprendre. Là, vous voyez un peu le rendu du fond de teint. C'était une journée vraiment très productive, busy. Là, je m'en vais à l'afternoon tea. Faire un peu de contenu. J'ai mis ma robe là. J'ai fait plusieurs tenues dans les recoins de la chambre. Déjà, voilà. Pour changer, là, je vais aller. J'attends qu'ils viennent m'aider à enlever les bagages. Je sais pas, je transpire, on dirait. Je fais pas très beau comme hier. Donc, j'ai fait du maximum de contenu. Il faut que j'arrange. Ok, alors comme je vous ai dit, je vais aller là, j'y vais là. Let's go. C'est un peu le chaos mon vlog là, je range le vlog. Donc là je suis venue me poser pendant l'afternoon tea, je suis toute seule. Mon chéri est parti au travail ce matin. Et là je me retrouve toute seule, mais bon c'est pas grave, c'est pas un problème. Il n'y a que le thé qu'on m'a servi, j'ai pris avec une coupe de champagne. J'espère que les gens vont un peu partir parce que j'ai envie de filmer. Le spot n'est pas très grand mais c'est vraiment très joli. Hier c'était magnifique à voir mais j'ai pas filmé. Aujourd'hui, je suis vraiment dévouée. Voilà, je suis en train de me shooter toute seule depuis tout à l'heure. C'est pas mal ce que j'ai shooté. Après, je vais enjoy et je vais rentrer à la maison. Je vous montre quand même ce qu'il y a. Vous avez des sandwichs en bas. Au saumon, jambon, concombre et au thon. Des scones. Donc, ce sont une spécialité anglaise qu'ils aiment bien manger à l'afternoon tea, même au petit déjeuner. Avec de la crème et de la confiture. Et en haut, vous avez des pâtisseries. Paris-Brest, ça c'est une tarte. Ça, je sais pas c'est quoi. Et vous en avez un autre. Je pense que les gâteaux, je vais les ramener à la maison. Et je vais boire mon thé. Le thé est divin. Et vous avez aussi du champagne. Voilà. C'est la première fois que je fais du contenu comme ça tout seul. Et les gens me regardent. En fait, en gros, là, je suis en mode solo date. Voilà. Je me sens vraiment plus à l'aise en fait en faisant du contenu toute seule, prenant des photos toute seule. C'est la première fois que je l'ai fait, mais aujourd'hui, je suis pas du tout gênée.
je vais encore filmer un peu le lobby et je reprends quand je serai à la maison, quand je vais rentrer. Et je pense que je sais pas, ouais, quand je vais rentrer, je vais reprendre. J'ai tout pris à emporter en fait pour les enfants. Faut que j'arrête là, honnêtement, faut que j'envoie le sport. Sérieusement, vraiment, ce mois-ci, je me suis dit non, je dois reprendre le sport. Même là, là, je bois. Mais il faut que j'arrête même l'alcool. Franchement, depuis là. Le bar, c'est vraiment joli. Mais hier, on n'est pas pu venir en fait, parce que il se faisait tard, ils avaient déjà fermé en fait. Donc voilà, donc je vous montre quand même un peu autour. Très joli.